on peut faire une différence pour la recherche pour vaincre le cancer du sein. C'est un peu comme donner du sang, c'est un don pour la vie. C'est une fin de semaine d'énergie, de solidarité. De voir tout ce monde-là qui marche pour la même cause, c'est important. On fait la plus belle chose pour quelqu'un qu'on connaît pas. C'est rien à comparer de ce que les gens qui vivent le cancer ont à passer à travers. Fait que je pense qu'on a un petit coup de pouce à se donner. Tout est super bien organisé. C'est impressionnant. On n'a pas pensé à rien. C'est ça qui est agréable. On est très, très bien traités, suivis tout le long. Courage, les filles! Beaucoup, beaucoup de bénévoles. Les gens qui sont là, ils sont partout, ils sont fous, ils sont pleins d'énergie. C'est des gens qui donnent généreusement sans compter. Ça klaxonne, ça rembarque, let's go, lâchez pas. C'est vraiment super. C'est fun d'avoir les tentes déjà montées quand on arrive. C'est les condos de luxe. On est traités là, comme des rois, des reines. On est gâtés. L'atmosphère, c'est vraiment une ambiance exceptionnelle. C'est le souper, la danse et le party jusqu'à temps qu'ils nous disent de se coucher. Les gens au bord de la route nous disent bravo, nous tapent dans la main, c'est génial. Ils te regardent vraiment dans les yeux et te disent merci de faire ça pour moi. Merci de prendre soin de mes seins. L'accueil est vraiment sensationnel. On a vraiment l'impression qu'on fait quelque chose de bien. Ça vaut la peine de marcher jusqu'à la fin. Pour une bonne cause. Pour la bonne cause. Venez, on vous attend. Venez, 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 venez! Grâce aux sourds, on réussit à amener la prévention un peu plus à l'avant-garde. On réussit à amener des chercheurs mondialement reconnus pour travailler avec nous. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on va éradiquer le mot cancer du sein. La plus belle expérience de ma vie. Ça vaut la peine.